Alex, attends-moi! Alex, tu ne peux pas ouvrir aux étrangers. Il faut d'abord vérifier de qui il s'agit. D'accord! Qui est-ce? Qui est là? C'est moi, Ivan. Tu connais le mot de passe? Oui, je le connais. C'est Ivan. Tu peux ouvrir la porte? J'ai un cadeau pour toi, Alex. Merci, Ivan. Alex, souviens-toi, n'ouvre jamais la porte aux étrangers. D'accord. Tiens, quelqu'un a sonné à la porte. Alex? Alex, attends! Il faut d'abord vérifier qui c'est. Ça peut être un étranger. D'accord, Maria. Qui est-ce? C'est moi, papa. Est-ce que tu connais le mot de passe? Oui, je le connais. Oui, c'est papa. Ouvrons-lui tout de suite la porte. J'ai un cadeau pour toi, Alex. Merci, papa. Alex, n'ouvre pas la porte aux étrangers. Ok. Alex, vas-y, ouvre ton cadeau. Oui. Wow. Alex? Attends-moi, Alex. D'abord, tu dois vérifier si c'est un étranger. D'accord, papa. Qui est-ce? C'est moi, grand-mère. Tu connais le mot de passe? Bien sûr, je le connais. Grand-mère, on peut ouvrir la porte. C'est pour toi. Merci, grand-mère. Alex, n'ouvre jamais la porte aux étrangers. D'accord, papa. Waouh! Il y a quelqu'un à la porte. Allons vérifier. Attends-moi. Qui est-ce? Bonjour, livraison de pizza. J'ai votre commande. Non, non, non. Tu connais le mot de passe? Non, je ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, tu n'entres pas. Quoi? Pourquoi? C'est bien, Alex. Tu as bien appris la leçon. C'est moi qui ai commandé la pizza. Alors c'est moi qui vais ouvrir la porte. Merci. Et souvenez-vous, seuls les parents peuvent ouvrir la porte à un étranger. Pizza! Des monstres effrayants! Steffi! C'est parti! Où est mon ballon? Je dois trouver mon ballon! J'ai trouvé quelque chose! Je me demande où est papa. Peut-être qu'il est parti en vacances. Amusons-nous.
Il m'en faut d'autres. J'ai trouvé un tracteur. Oh. Très bien, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphie? Oh, papa, c'est toi? Je croyais que t'étais partie. Mais non, Stéphie, j'étais juste dehors. Bien sûr qu'on va trouver toutes tes voitures. Attends-nous ici, nous revenons vite. J'ai besoin de ma voiture. Où allons-nous chercher toutes les voitures? Je pense qu'on devrait se séparer. Super idée. Où allez-vous? On essaie de trouver les voitures d'Alex. Je peux me joindre à vous? Bien sûr. 1, 2, 3, go! Je me demande où est-ce que ces voitures pourraient... Oh mon Dieu! Oh, ce canard est trop mignon! Hé, arrête de faire des câlins! C'est pas pour ça que t'es là! Ah, c'est vrai, t'as raison, j'ai complètement oublié. Je dois trouver les voitures! Elles devraient être peut-être dans ces piscines! Ah! Et c'est parti! Bon, je vois aucune voiture ici. On va regarder la prochaine. Pas de voiture ici non plus. Peut-être que les voitures sont dans les orbes? Non, pas ici. On va essayer avec les autres.
Est-ce que c'est de la mousse ou de la mousse à raser? La voiture est là. Youh, j'ai trouvé la voiture. Oh, mais elle est tellement sale. Faut que je fasse quelque chose. Yeah, ça va le faire. Maintenant que c'est fait, je dois me dépêcher de la ramener à Alex. Alex, j'ai retrouvé ta voiture. Merci. Où sont ces voitures? Je me demande ce qu'il y a dedans. J'ai trouvé! Je dois retirer tous les bâtons pour faire tomber les balles. C'est parti! Ça marche! Jaune. Merci beaucoup, Maria. De rien. De si jolies boîtes. Vous entendez ça? Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Dans celle-là? Oh! Slime! C'est cool, mais c'est pas ce que je recherche. Vérifions celle-ci. J'ai trouvé quelque chose. Yes! La voiture! Je vais l'emmener à Alex! Alex, voici ta voiture! Bon boulot! Yeah! J'ai besoin de trouver la voiture! Il faut regarder les piscines! Il n'y a rien ici. Essayons le deuxième. Pas de voiture. Essayons encore. Il n'y a pas de voiture. Vérifions la bleue. Ok, c'est l'heure de la fouiller. Je l'ai trouvée. Alex va être content. Yeah! Toutes les voitures sont là! Yeah! Yeah! Et oui, il faut toujours s'entraider. Il fait si chaud! Oh non, il fait vraiment froid. Froid. Chaud. Froid. Chaud. C'est le défi du chaud contre le froid.
fait si chaud ici. Il fait tellement froid. La chaleur, c'est merveilleux. C'est tellement mieux que le froid. J'adore le froid. La chaleur, c'est terrible. Je crois que c'est l'heure du goûter. Yummy. Maintenant, la machine à pop-corn. Ça a l'air délicieux. Waouh. C'est délicieux. C'est l'heure de s'amuser. Faisons de la neige. De neige. Trop bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ton pop-corn a refroidi. Oups, je ne m'attendais pas à ça. Essayons ça. Je ne crois pas que ça fonctionne. Ivan, j'ai besoin de ton aide. Mon maquillage a gelé. Pas de problème. Waouh! Maintenant, on doit attendre. Ça marche vraiment. Merci, mais c'est tout mouillé. Comment je vais faire maintenant? C'est fait. C'est tout sec maintenant. Merci, Ivan. Je suis comme une reine des neiges maintenant. Tu vois, le chaud, c'est utile. Je vais retourner de mon côté maintenant. Je veux un bon thé chaud. C'est chaud. Oh mon Dieu! Je sais, les glaçons seront utiles. Maintenant, ton thé n'est pas trop chaud. Merci, Maria. Je me sens vraiment mieux. Tu vois, le froid peut être aussi utile. C'est vrai, je crois que t'as raison. C'est l'heure de manger. Ça doit être prêt. Ah, oh, c'est pas une bonne façon de cuire un œuf, je crois. Laisse-moi t'aider, va. Ha! Hein? C'est prêt. Ça sent si bon. Merci, Ivan. Je t'en prie. Tu vois, le chaud, c'est meilleur que le froid. Je vois. La nourriture chaude, c'est le meilleur. C'est le moment pour un marshmallow. Wow.
Il y a le feu! Le feu! Le feu? Il y a le feu! Tu vois, le froid ne te laisse jamais tomber. Je viens de voir ça, je crois. Je sais ce qu'il faut faire. Achou! Achou! Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oh, vraiment mieux. Merci, Ivan. Tu vois, le chaud, c'est toujours tellement mieux que le froid. Je dois admettre que le chaud est très important. Mais le froid est aussi super important. Oui, j'aime beaucoup le chaud. Mais le froid, c'est tout de même meilleur. Le chaud, c'est le meilleur.